À la une de l'actualité, les communautés Tutsi et Hutu vivant en RDC ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le président de la République ce vendredi. Ils ont été reçus à la cité de l'Union africaine. L'occasion était aussi pour eux d'exprimer leur soutien au commandant suprême de l'armée, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis après trois tentatives échouées en 2011, 2015 et 2019, soit 45 ans après, la RDC vient de se doter d'une nouvelle convention scolaire. La signature est intervenue ce vendredi entre le ministre de l'EPFP et les confessions religieuses. Enfin, montée en puissance des FRDC dans le territoire de Rutshuru, les forces loyalistes ont repris le contrôle de quelques villages. L'armée vient donc de lancer l'offensive contre les rebelles. Du M23, ça sera tout pour les titres. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Au 20h, il y a quelques jours, Félix Tshisekedi avait lancé un appel à la mobilisation générale et à l'unité des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité nationale. Après cet appel, les notables représentants les communautés Tutsi et Hutu ont exprimé leur soutien au président de la République qui les a reçus à tour de rôle à la cité de l'Union africaine. Pierre Kibambe Somé, Coco Molicho signe ce reportage. Après son adresse à la nation du 3 novembre dernier, le président de la République, garant de l'unité nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la cité de l'Union africaine les représentants des communautés Hutu et Tutsi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir des fléaux, des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit des fascis et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutu ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Les représentants de la communauté Tutsi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Tutsi Congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo. Je l'ai dit tantôt, les forces loyalistes sont à l'assaut des terroristes du M23 et leur allié, le Rwanda, sur différents axes dans le territoire de Rutshuru. Réorganisés, les FARDC ont repris le contrôle de certaines entités dans le territoire de Rutshuru. Les habitants saluent cette montée en puissance et demandent que toutes les entités prises par les ennemis soient libérées par l'armée loyaliste. Regardez. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont sur différents fronts en territoire de Rutshuru afin de récupérer les zones qu'occupent les terroristes du M23. Après une réorganisation sous le commandement du général-major Chico, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et son staff, les forces régulières utilisent tout l'arsenal à leur possession pour obtenir les résultats attendus. L'armement lourd, le pick-up, le char, les drones, bref, toute arme qu'elle possède est sur le front sud et nord. Des causeries morales sont régulières pour émettre le moral au front, tant sur les positions situées au sein du parc national de Virunga que celles localisées entre Kibumba et Rugari. De nuit comme de jour, les forces armées de la République démocratique du Congo bombardent différentes cibles ennemies tout en progressant dans les profondeurs. Les autorités militaro-administratives qui ont la gestion des Rutshuru sont aussi sur le front pour aboutir à la restauration de l'État. La cartographie des positions ennemies est utilisée pour ne pas rater l'objectif dans cette bataille et ne pas faire de victimes civiles. Certaines agglomérations jadis sous occupation terroriste sont déjà libérées, disent les services de communication des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces différents fronts.
Et puis le gouvernement de la République au chevet des déplacés internes qui ont fui la guerre du mouvement rebelle M23 soutenu par l'armée rwandaise qui s'est trouvée au sud de Lubero. Ils viennent de recevoir des vivres et une somme d'argent pour la construction d'un forage à Kanyabayonga. Regardez ce reportage. Plus de 6000 ménages de déplacés qui ont fui la guerre du M23 à Rutshuru. Ils ont trouvé refuge à Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, Luofu, Bulotwa, au sud du territoire de Lubero. Ici, à Kanyabayonga, ces déplacés ont reçu de l'assistance humanitaire, 100 tonnes de vivres et non-vivres, de quoi soulager leur peine, et de l'argent, 40 000 $, pour la construction des additions d'eau à Kanyabayonga, Kaina et Kirumba, a été remis. Une assistance de la part du gouvernement et des députés nationaux du Nord Kivu. Cette assistance humanitaire du gouvernement central pour déplacer les internes qui ont fui l'affrontement de M23 de Rutshuru vers le territoire de Lubero. Le gouvernement central a pensé à eux. Sur instruction du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui, à travers son gouvernement, nous a délégué pour venir laisser une assistance à la mesure de, à la hauteur de ses disponibilités de moyens. Cette assistance interinstitutionnelle a été accompagnée par des députés du territoire de Lubero, entre autres Kavira Mapera Jeannette, Kambale Mouassa Alexandre, Kassere Kakalo Ali et Lusenge Bonane. Ce dernier a rassuré que les députés nationaux vont devoir continuer les plaidoyers pour que la paix revienne au Nord Kivu et ainsi permettre le retour des déplacés dans leur milieu. Malgré ces souffrances, le chef de l'État est en train de prendre toutes les mesures qu'il faut pour que cette situation puisse finir définitivement. Faites l'essentiel, chacun à son niveau, c'est ça le message du chef de l'État. Nous allons vaincre, il ne faut pas qu'on puisse être maîtrisé par la peur. Cette assistance aux déplacés se trouva au sud de Lubero, fait partie de l'aide que le gouvernement a distribuée également à d'autres déplacés à Kanyaruchina, en territoire de Nyiragongo. Merci, merci, commissaire. 20 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan d'un accident grave de circulation routière qui s'est produit sur la nationale numéro 1 sur l'axe routier Likasi-Luambo, situé à plus de 120 km de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. À en croire la société civile, un camion ben aurait percuté un taxi-bus qui a fini sa course dans un autre camion. L'excès de vitesse et le mauvais dépassement seraient la cause de ce drame. La contre-offensive des FRDC sur les positions du M23 dans le territoire de Rutshuru est saluée par les députés nationaux membres de la plateforme politique Cap pour le changement. Dans une déclaration faite, le député national, Léon Moubikaï, encourage les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour combattre l'ennemi. Il souhaite aussi que le prochain budget prévu pour la défense et la sécurité puisse connaître une augmentation d'au moins 300%. Sylvie Mwembo pour le reportage. Députés nationaux, membres du groupe parlementaire Cap pour le changement CASH en sigle, déplorons et dénonçons sans réserve l'agression et les tueries barbares suivies des déplacements massifs imposés à nos populations par le Rwanda à l'est, particulièrement dans la cité de Bunagana et dans d'autres villages du territoire de Rutshuru déjà occupés par les hors-la-loi. Soutenons sans embâge les efforts déployés par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement de la République, afin de rétablir par tous les moyens la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. Par la même occasion, exprimons notre soutien indéfectible aux forces armées et de défense qui se trouvent actuellement au front pour la défense de la partie et le recouvrement de la dignité du peuple congolais. En appelant à toute la population congolaise à se mobiliser comme un seul homme, derrière le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, et les autres institutions de la République,
tout au long de ce noble et juste combat pour le retour de la paix et de la sécurité à l'est de notre pays. Soutenons la recommandation de l'Assemblée nationale votée à la plénière du 8 novembre 2022 tendant à interdire au gouvernement toute forme de négociation ou d'ouverture d'espace aux éléments politico-militaires du groupe terroriste M23 dans l'armée et ou dans les institutions de la République. Encourageons les jeunes à intégrer les rangs des FRDC afin de doter notre pays d'une armée républicaine et dissuasive à court et moyen terme. Le présidium, voilà j'arrive, de la Ligue des Jeunes était est descendu plutôt dans les rues pour exprimer leur colère face à l'agression rwandaise. La Ligue des Jeunes soutient aussi le commandant suprême pour les efforts consentis pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. L'occasion était aussi pour eux de lancer un appel aux jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée. Alain Bikaï pour le reportage. Ils se sont mobilisés autour du président national de la Ligue des Jeunes de l'UDPS, Amissi Makutano, pour dénoncer l'agression rwandaise et répondre massivement à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la jeunesse de s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie. Au cours de cette marche, les membres du présidium de la Ligue des Jeunes de l'UDPS ont rencontré leur secrétaire général, Augustin Kabuya, qui s'est rendu aussi au lieu de son travail. Ils l'ont obligé de battre les pavés ensemble jusqu'au siège de l'UDPS à Limité. Ici, la jeunesse fer de lance du parti présidentiel a exprimé son soutien sans faille au FARDC et son commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Ligue des Jeunes de l'UDPS apporte ici un soutien indéfectible aux forces armées de la République engagées au front d'Iran de nuit sans étoiles et des jours sans soleil, dans le froid et la privation de leur famille, au pire sacrifice de leur vie pour défendre la nation. La Ligue des Jeunes de l'UDPS, sans attendre, répond à l'appel du chef de l'État en cette période où la République démocratique du Congo a besoin de sa jeunesse expressive, de la force, de la bravoure et du dynamisme pour dresser le front longtemps courbé. Nous demandons à tous les combattants et toutes les combattantes, à la jeunesse en particulier, d'être prêtes à répondre massivement à l'appel qui sera lancé dans les jours qui viennent par le secrétaire général Augustin Kabuya. Et puis la Convention des démocrates rénovateurs soutient aussi les efforts du président de la République, Félix Tshisekedi, pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. Le CDR s'approprie aussi le discours du président de la République qui appelle les Congolais à se mobiliser pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Rodi Panda pour le reportage. Rénovateur, CDR en sigle, face à la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans quelques localités du territoire de Rutshuru, dénonce avec fermeté l'agression de la République démocratique du Congo par le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Exprime sa profonde compassion à l'endroit des compatriotes victimes de cette énième agression barbare. Soutient son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, ainsi que le gouvernement de la République, pour leur détermination à mettre hors d'état de nuit les ennemis de la République démocratique du Congo. Saisis cette occasion pour saluer l'engagement de nos forces armées qui abattent un travail remarquable pour bouter hors du territoire national les ennemis de la paix, de la sécurité nationale et de la stabilité de notre pays. Le courant des démocrates rénovateurs, CDR en sigle, appelle la communauté internationale, on sait, compris les Nations Unies, l'Union européenne ainsi que l'Union africaine, à nommer clairement le Rwanda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo, et a demandé à ces pays agresseurs de retirer sans condition ses troupes de la République démocratique du Congo.
Antoinette Samba et Godard Motemona, respectivement ministre et vice-ministre des Mines, se joignent à l'appel du président de la République, celle de soutenir l'armée congolaise au front. Regardez. L'appel du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à la mobilisation face à l'agression de groupes armés sur fond d'exploitation illicite de nos ressources naturelles, la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, et le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, ensemble ont lancé un vibrant message invitant les compatriotes congolais à se ranger tous derrière le commandant suprême et nous voyant au FRDC pour la victoire certaine. Matonzi mingi na wayambo ya bana Congo, mokonzi ya mboka pe mokonzi ya mampinga ya FRDC Fachi Beton pona mokano. Nous remercions le premier citoyen de la République, commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la décision qu'il a prise de bouter l'ennemi hors du territoire national. Nous demandons à tous les Congolais de s'aligner derrière les forces armées de la République en vue de préserver l'intégrité territoriale. M23 est bloqué, Banamboka, Bendele Kouyate. Na Bolandia, commandant suprême, Yamapinga, Tosengi. Dans la suite du commandant suprême des forces armées de la République, nous demandons à tous les Congolais d'être unis derrière les forces armées pour vaincre l'ennemi. Avec Dieu, nous vaincrons. Depuis l'appel à l'unité pour le soutien au FRDC par le président Tshisekedi, jeunes et vieux se mobilisent pour soutenir nos vaillants héros qui sont au front pour restaurer la paix dans cette partie de la République. L'Alliance pour l'unité du Congo, une formation politique, condamne cette guerre injuste imposée par le Rwanda. Le secrétaire général de ce parti sollicite l'implication du chef de l'État d'interdire la vente des terres aux étrangers qui devient après quelque temps une source de conflit en proie à l'insécurité Rodépanda. Face à l'agression rwandaise qui menace la sécurité du patrimoine naturel et humain de la République démocratique du Congo, l'Alliance pour l'unité du Congo AUC, formation politique, se mobilise et donne de la voix. Cette formation politique dénonce et condamne les silences complices de la communauté internationale dans cette guerre. Dans un mémo adressé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Alliance pour l'unité du Congo lui demande d'interdire aux chefs coutumiers de vendre la terre aux étrangers. C'est un phénomène qui favorise les conflits communautaires, avec comme conséquence l'insécurité partout et les guerres à répétition. Nous, parti politique, Alliance pour l'unité du Congo, nous vous formulons les propositions de convoquer tous les chefs coutumiers du pays afin de faire l'état des lieux franc et constitutif sur la situation d'insécurité à l'est de notre pays et partout en RDC et de demander de ne plus vendre ou céder des terres à tout sujet étranger afin de réindiquer définitivement cette agression injuste et barbare, de déboulonner tout traître ennemi de la nation et d'assainir notre armée, nos différents services de sécurité, tout améliorant leur traitement. Les Congolais de partout disent en avoir assez des guerres inutiles en République démocratique du Congo. C'était un reportage de Rodépanda rendu par Richard Kalala. Et puis plusieurs structures œuvrant dans le désarmement ont été sensibilisées pour une appropriation sur l'utilisation d'armes explosives dans les zones en conflit en République démocratique du Congo. Christine Nenzo. Déjà ratifié les instruments et conventions pour protéger la population vivant dans les zones en conflit contre les armes explosives. Information donnée par WILF RDC lors de sa formation avec les acteurs œuvrant dans les secteurs de désarmement afin de les amener à une appropriation, comme l'explique Anima Tundumbambi, coordonnatrice régionale de WILF. Nous arrivons au moment où les États doivent ratifier les traités sur les armes explosives. Nous espérons qu'au moment où nous sommes réellement en guerre, que la RDC va pouvoir ratifier ces armes explosives parce que ça se trouve dans le protocole de Maputo. Occasion pour les directeurs des opérations à la Commission nationale de contrôle des armes légères en RDC et des réductions des violences armées, John Bofaka, de donner des explications sur les traités et conventions signés par la RDC. D'où cette recommandation des participants, entre autres sur le contrôle et suivi des...
traité et convention pour leur domestication. Ces recommandations seront déposées d'ici peu à la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, les soucis étant d'amener la RDC à la signature de la déclaration de non-utilisation des armes explosives dans les zones peuplées en conflit. Une réunion sera organisée d'ici peu à Dublin par les gouvernements irlandais. La RDC y est aussi invitée. Le Premier ministre multiplie des échanges en marge de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui se déroule à El Cheikh en Égypte. Pour ce faire, Jean-Michel Samalou Kondé a échangé avec une délégation de l'équipe de pilotage du projet RED+ sur un important projet mis en œuvre à Inongo qui vise la réduction des gaz à effet de serre. Patty Tondwango, bienvenue Lusala pour le reportage. Les projets RED+ qui visent la réduction des émissions des gaz à effet de serre a déjà fait ses preuves dans la province de Maïndombé. En marge de la COP 27 en Égypte, les réalisations de ces projets ont été présentées au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge par l'équipe de pilotage des RED+. En tant que chef de délégation, cette rencontre avec les chefs du gouvernement a permis à son équipe de lui présenter non seulement les exploits réalisés dans les territoires de Maïndombé, mais aussi les perspectives pour le développement des nouveaux projets dans toute la République démocratique du Congo. En présence de M. Hassan de la CNRED qui certifie non seulement pour la République démocratique du Congo le crédit carbone et aussi qui regarde les ventes que nous avons effectuées pour le compte de la République. Et nous avons également parlé de bénéfices que nous sommes en train de payer pour le gouvernement dans le cadre des ventes de crédits qu'on vient d'effectuer. Le Premier ministre a reçu notre projet avec beaucoup d'enthousiasme et il a promis qu'on puisse se revoir à Kinshasa pour approfondir la question. C'est vrai que c'est un domaine tout nouveau qui est très porteur en République démocratique du Congo à cause de la taille de la forêt. Avec l'économie verte dans d'autres provinces, nous savons qu'il y a un partenaire qui est très intéressé dans la province du Sankourou. Et un autre partenaire qui est déjà à pied d'œuvre dans la Choapa. Donc nous sommes en train d'encourager plusieurs partenaires qui sont ici aussi à pouvoir venir avec des projets verts en République démocratique du Congo. RED+ compte étendre ses projets dans les provinces du nord et sud d'Ubangi, de la Chopo et de l'Équateur et son programme dans les Maïndombé est le premier à être sélectionné pour être intégré dans le fonds de partenariat pour les carbones forestiers. Processus électoral. La conférence des églises de toute l'Afrique rassure la CENI de son soutien dans la prière pour l'organisation des élections crédibles, démocratiques et transparentes dans le cadre de sa mission de consolidation de la paix et de la sécurité au niveau continental. La CETA a été reçue ce vendredi par le premier vice-président de la CENI, Didi Manara, Tétis Samba, Jires Tofunji, pour le reportage. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenue Ilanga Lembo, assisté le deuxième vice-président Didi Manara Linga, a échangé avec une délégation de la Conférence des Églises de toute l'Afrique, CETA, conduite par son vice-président, révérend Martin Blaise Niaboro, accompagné du révérend pasteur Eric Ntsenga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, SCC. Au sortir de l'audience, le vice-président de la CETA, révérend Martin Blaise, explique. Nous avons échangé sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Nous lui avons souhaité plein succès. Nous savons les défis, les challenges, nous savons les obstacles dans l'organisation des élections, mais nous sommes venus témoigner par notre présence, notre soutien, notre accompagnement dans la prière et dans le plaidoyer pour que la République démocratique du Congo pourrait organiser des élections crédibles, transparente, apaisée, démocratique,
légitime et légale. La fin de ces échanges a été marquée par une communication spirituelle pour l'élévation de l'âme vers Dieu en vue d'obtenir ses grâces afin de conduire toute action vers son aboutissement heureux. La délégation de la CETA séjourne en République démocratique du Congo dans le cadre de sa mission de consolidation de la paix et de la sécurité au niveau continental. Faire la promotion de l'éducation civique et électorale pour un engagement actif des femmes et jeunes en RDC, c'est le thème de l'atelier organisé par l'INADES. Ce projet est financé par l'Union européenne. Il est coordonné par Sylvain Toumba. Un reportage de Dada Chabani. Impliquées dans le processus électoral, les femmes, les jeunes et les populations vulnérables telles que les peuples autochtones et les personnes vivant avec handicap, tel est le défi du projet promotion de l'éducation civique et électorale pour un engagement actif des femmes et des jeunes en République démocratique du Congo. Ce projet, coordonné par Sylvain Toumba, a été mis sur pied par un consortium des 11 organisations de la société civile qui œuvrent pour la promotion de l'éducation civique et électorale sous le leadership des INADES Formation avec l'appui financier de l'Union européenne. 3 ans après l'exécution du dit projet dans 20 provinces ciblées de la RDC, il a été clôturé en présence de l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, qui s'est dit très satisfait. Il a tout de même suggéré pour un processus électoral apaisé, il faut mettre au premier plan les dialogues et l'idéologie pour la réussite de la dynamique électorale. Les évaluateurs ont salué l'exécution du dit projet qui a atteint 90% des objectifs requis. Le directeur de l'INADES Formation, Norbert Kimvula, les confirme. Dans les milieux où nous sommes passés, les jeunes, les femmes et les autres sont engagés. Ils sont décidés pour dire, si demain il y a élection, nous nous engageons, nous nous présentons comme candidats aux prochaines échéances électorales. Il y a des jeunes, des femmes qui commencent à adhérer massivement au sein des partis politiques. Le rôle de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, les réformes en cours pour une retraite honorable, des sujets au centre des entretiens entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et celui de l'enseignement supérieur. Nadine Kilocho pour le reportage. Dans le but de rationaliser la gestion de la carrière des agents publics de l'État, en l'occurrence les professeurs d'université, personnel académique, les professeurs de l'enseignement primaire secondaire technique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Niaou, a conféré avec le ministre de l'ESU, Moïne Dozongui, ainsi que la vice-ministre de l'EPST, Aminata Amassia. Au cours de cette séance de travail, le chargé de mission de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP, Tombo Lamoukou, a expliqué aux membres du gouvernement les modalités prises pour l'encadrement des retraités par la CNSAP. La sensibilisation s'est bien déroulée, que les acteurs sectoriels ont compris les innovations qu'apporte cette loi et l'importance de l'adhésion, même si celle-ci est obligatoire du fait de la loi. Mais les sectoriels ont bien compris, n'ont pas manqué de saluer le travail qui a été abattu, qui a permis d'avoir cette loi et par ricochet l'extension de la couverture à toutes ces catégories. Cette couverture concerne, dans un premier temps, deux principales branches. La branche de pension pour les prestations en cas de vieillesse, d'invalidité, de survivant, mais également la branche de risque professionnel en cas d'accident de travail ou des maladies professionnelles. Basculés à la CNSAP, bénéficiant du régime contributif, les agents de l'ESU et de l'EPST auront droit à leur pension de retraite grâce au mécanisme mis en place par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour matérialiser la vision du chef de l'État qui vise une mise à la retraite digne. Je l'ai dit au sommaire, la nouvelle convention de gestion des établissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire a été signée ce vendredi entre le gouvernement de la République et les confessions religieuses. Cet acte devra désormais régir le secteur de l'EPST. Un reportage d'Edith Chala. Vieille de 45 ans, la convention scolaire de 1977 vient d'être révisitée. Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, y a mis tout son engagement, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base, l'imposer. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a rappelé que la convention du 26 février 1977 était obsolète, inadaptée et anachronique à la suite des multiples mutations sur le plan tant juridique que sociopolitique, voire au niveau de l'espace religieux national.
Le professeur Tony Mwaba a souligné que bon nombre de ces dispositions méritaient d'être révisitées pour les adapter à l'évolution des choses sur le terrain, surtout au regard des plusieurs réformes enclenchées dans son sous-secteur, notamment celles liées à la gratuité de l'enseignement primaire. À en croire le ministre, cette réalité était à la base des dysfonctionnements observés au niveau de la gestion des établissements scolaires et même des bureaux gestionnaires, d'où il était urgent de revisiter cette convention scolaire. Aujourd'hui est un grand jour, un nouveau départ qui va marquer un déclic dans l'administration scolaire, dans la façon de collaborer avec les confessions religieuses et de gérer les écoles. Je voudrais que l'Église nous accompagne réellement dans cette mission consistant à former la jeunesse dans le cadre de l'enseignement et ce, à travers le réseau d'écoles conventionnées, a déclaré le professeur Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. De leur côté, les délégués des différentes confessions religieuses ont remercié le ministre pour son dynamisme qui a aujourd'hui porté les fruits et a rendu possible la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, après plusieurs échecs enregistrés depuis 2011 pour cette fin. Le numéro 1 de l'enseignement primaire, secondaire et technique a finalement réussi à obtenir la révision de la convention scolaire. Une convention de partenariat à hauteur de 10 000 dollars américains a été signée entre la province du Congo central et la Sofibank. Ce montant va permettre de financer les études universitaires des élèves du Congo central qui ont satisfait au concours du programme de développement initié par le feu gouverneur Jacques Mbadouri Kinzouzi. Le partenariat du gouvernement provincial du Congo central et la BGFIBank a atteint une phase décisive avec la signature de la convention de partenariat, une cérémonie co-présidée par le ministre provincial du budget des finances, Babi Vangou. Parmi les secteurs sur lesquels on a fait un focus, figure l'éducation. Donc la BGFIBank, qui est venue nous voir comme tous les autres partenaires, a trouvé tout à fait opportun de nous accompagner sur ce point-là. Et là, nous saluons la spontanéité, la sincérité avec laquelle les choses se passent. Et l'administrateur délégué de cette banque, Francesco De Musso. Il est important pour nous d'être un acteur de référence également sur des sujets de responsabilité sociétale et d'environnement. C'est à ce titre que nous avons noué ce partenariat avec la province du Congo central. Et comme je le disais, nous en avons d'autres qui vont naître dans les semaines et dans les mois à venir. Et il s'agit, je vous rassure, d'une collaboration de long terme, puisque les actions ponctuelles n'ont que très peu d'effet. À l'issue du concours organisé à cet effet, au titre de l'édition 2022, les 20 premiers candidats ont été retenus sur 335 inscrits et bénéficieront de 7 bourses tout au long de leur cycle universitaire. Si après sont concernés par cette bourse, l'agronomie, le pétrole, le gaz, la géologie, pêche et entrepreneuriat. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait d'une convention de partenariat signée avec la BGFIBank et non la Sofibank. Le digital, un outil incontournable pour la croissance économique du monde, consciente de cette réalité, la 4e édition du Forum international des femmes, organisée par l'AGICA, a mis un accent particulier sur les enjeux du digital en Afrique par les femmes. C'est le ministre de la formation professionnelle qui a lancé les 10 travaux. Nono Manseko pour ce reportage. Ce forum international des femmes organisé par JICA Corporation dans le but d'outiller les femmes, toutes tendances confondues, sur les bien fondés du digital a été lancé ce jeudi 10 novembre 2022 par la ministre de la formation professionnelle et métier Antoinette Kipoulou. Pendant 3 jours, les panélistes vont décortiquer mot à mot les thèmes de ces forums intitulés « Les enjeux du digital en Afrique par les femmes pour un monde meilleur ». Une opportunité pour le général manager de JICA Corporation, Gisèle Catal, de sensibiliser les participantes sur les avantages que procurent les numériques dans leur vécu quotidien. Prenant la parole, le directeur des cabinets du ministre des PTNTIC, maître Séraphin Umbaka Pépé, a, au nom du ministre Augustin Kibasa Maliba, appelé les femmes africaines à s'approprier des opportunités qu'offrent les technologies numériques en travaillant ensemble pour l'émergence d'une culture numérique. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de la création du Fonds de développement des services universels
de construire dans les années qui viennent des infrastructures numériques afin d'une augmentation du taux de couverture et de connectivité dans les villes à terre des personnes marginalisées et plus particulièrement les femmes. Parrainée par la République du Gabon, la 4e édition du Forum international des femmes a connu la participation de plusieurs délégations venues de tous les horizons, car ces femmes portent un intérêt particulier aux activités de la JICA Corporation. Investir avec Dieu pour l'émergence de la RDC, c'est le thème de la Convention internationale des entrepreneurs et professionnels chrétiens. Ces assises bénéficient de l'appui technique du ministère de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne Entreprise. Un reportage de Nicole Cessep et Myrène Degué. Cette première convention internationale des entrepreneurs et professionnels chrétiens a pour objectif de créer une génération d'entrepreneurs pouvant lutter contre les antivaleurs dans le monde des affaires ainsi que dans la vie professionnelle en vue d'être utile pour la nation, car le gouvernement congolais tient absolument à la création d'une classe moyenne. Ces assises sont organisées par Trendem Toufiche, que dirige le pasteur Thomas Ongassa en collaboration avec Outpost Center International. Occasion pour le président du comité d'organisateurs, Tade Katembo, de relever l'importance de ces assises qui visent l'innovation, le renforcement des capacités entrepreneuriales et le développement d'expériences professionnelles. Dans son mot de circonstance, le directeur des cabinets du ministre d'État de l'entrepreneuriat et PME, Justin Magala, a fait un état des lieux de l'entrepreneuriat au Congo. Vos propositions sont les bienvenues. Je déclare ouvert les travaux de la Convention sur l'entrepreneuriat professionnel et chrétien. La première journée a connu notamment les interventions du pasteur Thomas Ongassa sur l'image des dieux entrepreneurs et d'Ezekiel Bidoya, directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, en sigle. Et puis un secrétariat permanent qui va servir comme source pour avoir toutes les informations liées à la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics sera bientôt mis en place. C'est la décision prise au cours de la réunion bipartite entre l'inspection générale des finances et les organisations des sociétés civiles engagées dans la lutte contre la corruption. Eric Kabamba pour ce commentaire. Après la signature du protocole d'accord entre le représentant de la société civile ainsi que les organisations citoyennes engagées dans la lutte contre la corruption et l'inspection générale de finances le 31 août dernier, les deux parties se sont retrouvées une nouvelle fois encore ensemble. Le but de cette rencontre est de mutualiser les efforts et les initiatives pour accentuer la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. La lutte contre la corruption, on doit toujours, à tout moment, être actif, vivace, pour ne pas subir un endormissement. Pour la société civile, les actions communes décidées ensemble tombent à point nommé, car elles jettent le bas d'une lutte efficace pour la préservation des finances publiques en RDC. D'abord, il est prévu cette restitution, mais en même temps aussi, les partenariats n'ont pas fonctionné sans organes. Nous mettrons en place un secrétariat permanent qui sera le lieu où toutes les organisations qui sont intéressées par la lutte contre la corruption ou les finances publiques, de manière générale, vont commencer à venir puiser l'information. Et quand ce secrétariat sera mis en place, l'adresse sera partagée avec toutes les ONG qui sont intéressées par le travail que nous faisons dans le cadre de l'amélioration des finances publiques. Ensemble, les deux parties ont harmonisé les vues pour le travail qui s'annonce très rude prochainement. Enfin, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, et le député provincial Eddy Iélé ont échangé sur l'inauguration prochaine de la paroisse kimbanguiste de Makinza dans la commune de Ngiringiri. Willy Atunakov pour le reportage.
L'inauguration prochaine d'un nouveau bâtiment au sein de la paroisse Kimbangis de Makanza et d'un pont moderne devant relier les quartiers 24 novembre au quartier Sayo dans la commune de Ngiringiri, en cours de construction à l'initiative du député provincial Edi Ieli Molangi, était au centre de l'audience que son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, a accordé mardi 8 novembre 2022 au centre d'accueil kimbanguiste à Kinshasa à cet élu provincial de cette municipalité. En tout cas, je suis très content d'avoir rencontré le chef spirituel Papa Simon Kimbangu qui revient d'une mission pastorale à Brazzaville pour lui présenter mes civilités. Il suit de très près mes œuvres sociales en faveur de cette église dont la construction d'un bâtiment et d'un pont moderne d'une capacité de 40 tonnes en faveur de cette église. À en croire les députés provinciaux Edi Ieli Molangi, le numéro 1 de l'église kimbanguiste qui a accepté l'invitation de participer à l'inauguration de ces deux ouvrages dans les tout prochains jours, a à cette occasion félicité et encouragé le député Edi Ieli Molangi pour ses multiples actions sociales à impact réel et visible en faveur de la population kinoise en général et des Ngiringiri en particulier. De suivre ce journal. Serge Mata revient tout à l'heure à 23h pour une autre édition d'information. Moi, je reviens demain avec le même plaisir et sur la même chaîne. Continuez à suivre les programmes de la RTNC.